cours de ma vie, cette flamme paternelle a tantôt brillé, tantôt vacillé. Parfois même, je la croyais éteinte. Mais loin du monde, puisée au fond du silence, elle revenait, plus forte, plus apprivoisée, me guidant à nouveau sur mon chemin d'homme. Avait pour moi des relents de mort. J'ai guerroyé là-bas, à Tripoli, à Jérusalem, sous des chaleurs bien plus intenses que celles qui terrassent les passants aux abords de la tour Maïm. Thank you.
pour l'éternité. Cela contribua grandement à l'essor de Nîmes. La manufacture du tissu se développa sur le canal de Lago qui reliait la source au moulin des teinturiers. Et la ville fut connue dans tout le royaume. Mon fils a prolongé l'ouvrage de nos mains en concevant de la plus belle façon ce que l'on appelle le métier de Nîmes. Il produisit un tissu fabuleux, fait d'un mélange de fibres, de laine et de soie, qu'il appela la sergée de Nîmes, et qui porte fièrement notre couleur indigo. Ce tissu, il l'exporta jusqu'en Amérique, où il fut baptisé de Nîmes. Chers amis, ce soir, Diane et moi tenons à vous remercier pour l'hommage que vous nous faites en étant si nombreux à porter ce tissu, la toile de Nîmes.